Le grand récit de Flintlock. Rassemblez-vous, canailles, et frémissez en entendant comment le vaisseau de la malédiction a recruté son équipage. Allons, approchez-vous. Voici Flintlock, un pirate qui n'a rien d'un marin d'eau douce. Leur dernière heure est venue! Préparez-moi un canon de pirate! Flintlock était le pirate le plus courageux à avoir jamais sillonné les mers. Oh, il faut vraiment que je fasse tout moi-même! Mais sur l'océan, la chance peut tourner très vite et se montrer cruelle ou même mystérieuse. Je souhaite... Tu viens de m'invoquer, je me trompe? En tant que pirate, je croyais avoir tout vu. Mais un bonhomme qui flotte sur un petit nuage, un djinn! Et je peux te proposer un voyage qui conviendrait à un pirate comme toi, si tu le souhaites. Tout ce que je souhaite, c'est de me retrouver au sec. Que ton souhait s'accomplisse! Flintlock savait que les pirates ont très peu d'amis. Et qu'aucun pirate n'avait jamais trouvé un ami dans le désert. Il n'y a pas plus sec! Il n'y trouva que des ennemis en abondance. D'accord, je vois ce que tu veux dire, mon ami qui accomplit les souhaits. Et je souhaite être dans un endroit plus frais, si possible, dans pas trop longtemps. Que ton souhait s'accomplisse! Mais l'Arctique n'est certainement pas un endroit idéal pour un pirate habitué aux mers du Sud. De la poussière brûlante aux stalactites de glace. Oui, c'est très amusant. Et Flintlock allait encore avoir bien d'autres occasions de s'amuser. Emmène-moi Le redoutable pirate vivait enfin les aventures passionnantes dont il avait toujours rêvé. Non, non, je souhaite me trouver à nouveau sur un vaisseau de pirates. Alors que ton souhait s'accomplisse. Bienvenue. On dirait que tu as enfin trouvé l'endroit qui te convient. Flintlock. À jamais pirate et à jamais membre du fier équipage du vaisseau de la malédiction.